la suerte de contar con las dos personas responsables de la dirección de la película Fifi, que ha sido presentada en la sección New Directors. Están con nosotros, por lo tanto, Jeanne Aslin y Paul Santilla. Merci beaucoup d'être là avec nous. Merci d'avoir présenté les films au Festival de Saint-Sébastien. Merci de nous accueillir. Voilà. Et donc, la première question, dès qu'on a vu votre film dans une projection privée à Paris, on a trouvé qu'il y avait pas mal de références cinéphiles. Ça nous a fait penser du coup à Eric Rohmer, puisque c'est une histoire d'amour avec pas mal de conversations, etc. Ça nous a fait penser à aussi les frères Dardenne, peut-être parce qu'il y a un côté social que les films évoquent de façon très claire. Et même un petit hommage, peut-être, à François Truffaut vers la fin. Est-ce qu'on se trompe ? Non, vous êtes un peu, enfin, vous êtes dans le vrai de toute façon. Les réalisateurs que vous citez là, c'est des réalisateurs dont on est de toute façon plutôt fan. Et en même temps, comme vous le dites, voilà, elles sont très loin les unes des autres, ces références-là. On n'y pense pas quand on écrit ou on se dit pas, c'est après coup. On se dit, ah tiens, effectivement, il y a un fond social, le fond social est là. Mais on ne s'attarde pas dessus en appuyant, par exemple, comme les frères Dardenne, où c'est central, où tout se déroule ensuite avec ça. Il y a une histoire d'amour, mais aussi d'amitié. Donc on est aussi un peu chez Rohmer, parce que c'est tout en finesse, avec les conversations, etc. Et en même temps, là encore, ça n'est pas que ça. Il y a la famille, il y a comment ces deux-là s'apportent quelque chose. Ça n'est pas que l'histoire d'amour qui est importante, mais qu'est-ce que ces œufs-là s'apportent humainement au-delà de l'histoire d'amour. Et la troisième référence, Truffaut. Et Truffaut disait, je vais te laisser citer Paul, parce que c'est toi qui me l'as dit cette phrase. Non, Truffaut disait, à la fin d'un film, j'aime bien emmener le public à la mer ou dans la neige, comme pour me faire pardonner de ne pas avoir été assez drôle, assez léger, ou de... Voilà, c'est comme une récompense, un petit cadeau pour le spectateur. Voilà. Bon, mais là, en l'occurrence, nous, c'était vraiment ce truc de puisque l'histoire d'amour, je ne vais pas raconter la fin, mais qu'il y ait une ouverture, voilà, un élan pour notre personnage et qui nous montre que cette histoire d'amour et d'amitié lui a en quelque sorte donner des ailes. Et c'était le cœur du film, c'est-à-dire dans les rencontres qu'on fait dans la vie, amour ou pas, qu'est-ce qu'elles nous apportent et combien certaines rencontres sont importantes, même sans s'en rendre compte. La personne ne sait pas forcément. Voilà. Comment vous vous répartissez un peu les tâches? Vous avez co-réalisé les films, vous signez donc les films tous les deux. Comment vous avez travaillé pendant le tournage, quoi? Alors, d'abord, on l'a co-écrit. Co-écrit, voilà. Ce n'est pas une mince affaire. Exact. Et ensuite, on l'a co-réalisé. A priori, on pouvait supposer qu'on aurait des rôles distincts, qu'on se partagerait les tâches. Et au bout du compte, on a un peu fait tout ensemble. Toutes les décisions ont été prises. Oui, rien n'était décidé plus par l'un ou l'autre. C'est vraiment la discussion permanente qui fait que... Alors, on est très différents dans la vie, même si, on est un couple. Voilà, c'est autre chose, mais on est très différents, et c'est cette différence-là qui fait que quand on pense un film, on écrit, etc., mais on ne sait jamais, pendant tout le travail, si on voit vraiment le même film. C'est à force de discuter, dès l'écriture et ensuite à la mise en scène, entre mes envies, les siennes, comment on voit telle scène, même jusqu'à un vêtement de personnage, de confronter nos avis, et des fois il y a des discussions qui fait avancer à chaque fois. On a eu l'impression que le fait de ne pas forcément être tout de suite d'accord dès le début a toujours fait avancer plus loin, en tout cas. Mais il n'y a pas vraiment de répartition des rôles. C'est plus tout était fait, décidé ensemble, mais après les relations avec la costumière par exemple, ou la décoratrice, le choix des couleurs peut-être, alors que peut-être plus au niveau du découpage, Paul avec le chef opérateur passait peut-être plus de temps en découper ensemble d'abord, et puis peut-être
approfondit c'est plus avec le chef opérateur, tandis que je veillais peut-être un petit peu plus au coup, voilà, aux choses avec la costumière et les décoratrices pour ce qu'on met dans l'image. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose, non? Les films ont sans doute plein de qualités, mais nous avons trouvé aussi que vous avez très bien filmé l'intelligence de votre protagoniste, de Céleste Brunkel, du personnage. Et ça, c'est quelque chose, parce qu'on comprend bien qu'elle prend des décisions, elle est en train de réfléchir, etc. Et on sent bien son intelligence. Je ne sais pas si... Comme dit Stéphane dans le film, pourtant tu m'as l'air assez futé. Hein, ce mot futé, c'est-à-dire qu'effectivement, elle est vive, elle est fine, elle est intelligente. Donc ça vaut pour Fifi, ça vaut pour Mademoiselle Brunkel, Céleste, qui pourtant ne parle pas beaucoup dans le film. Vous parliez d'Éric Rohmer, dans les films de Rohmer, les gens commentent beaucoup ce qu'ils sont en train de penser, ce qu'ils sont en train de ressentir. Fifi, elle est tout le temps en action, il se passe tout le temps quelque chose, mais elle le formule pas, mais on le voit effectivement sur son visage, sur toutes les scènes... le raconte, alors que Stéphane lui est plus. Mais je ne sais pas trop quoi ajouter, Jeanne, je t'en prie. Là, c'était vraiment aussi. C'est important ce que vous dites, parce que au sein de sa famille, on voit une jeune fille qui est. Elle adore sa famille, on voit qu'elle est dévouée quand même à sa famille, hein, même si elle en a marre des fois, vraiment elle en a marre. Mais il y a une différence chez elle. Elle attend quelque chose d'autre de la vie. Il y a une nourriture culturelle qui lui manque dans son milieu. C'est pour ça que dès qu'elle rentre chez Stéphane, elle fonce au piano, elle regarde les livres. Voilà. C'est des objets qui ne sont pas encore complètement dans sa vie et elle ne sait pas encore que ça l'appelle. Mais... Et cette intelligence qu'on ressent, c'était important qu'on la ressente. C'est-à-dire qu'elle consente que cette jeune fille qui est, elle boit de la bière, elle traîne un petit peu, elle ne fait rien de son été, en fait, elle est au sein de cette famille. Elle ne. Elle a des capacités. Il fallait qu'on sente qu'elle a des capacités qui pourraient l'emmener plus loin dans la vie, et que peut-être si elle n'avait pas rencontré Stéphane, peut-être qu'elle aurait continué à se laisser aller, voilà, et que ça aurait été se gâcher, voilà. Ce qui est particulier avec ce personnage adolescente, c'est qu'elle n'a, au début du film, elle n'a quasiment pas d'existence pour elle-même. Elle ne se prend pas du tout en compte, puisqu'elle est entièrement tournée vers les nécessités du quotidien. C'est petits frères et sœurs, sa mère, enfin, tous les problèmes du quotidien. Et elle n'a pas d'existence propre, quasiment. Et la rencontre avec Stéphane l'éveille à elle-même, d'une certaine manière. Et après, bon, il faut le dire, bien sûr, on en parlait de Céleste Brunkel, mais avec Quentin Dolmer, le courant passe très bien, n'est-ce pas? Et ça, c'était important aussi, j'imagine. C'était essentiel. C'est-à-dire que c'est la magie du cinéma. Ce qui se passe entre les comédiens, ça passe ou ça ne passe pas. Et là, c'était essentiel, vraiment. Et tous les deux, ils sont tellement déjà à l'image, mais aussi, il y a. Lui aussi, évidemment, on sent une intelligence, on sent une sensibilité aussi. Il fallait que ça marche, que ça fonctionne. Et. Par chance, c'est le cas. Comment vous avez conçu aussi la photographie, la lumière de ces films? Ça nous intéresse beaucoup. Sans trop entrer dans les détails, on peut parler de l'intention générale du film, qui était de tendre vers le beau, d'aller chercher la beauté là où on ne l'attendrait pas forcément. C'est-à-dire qu'on n'allait pas seulement trouver de la beauté dans l'appartement de la maison de Stéphane, qui le décor était assez magnifique, mais on voulait aussi aller chercher cette beauté dans le monde de Fifi, même dans cet appartement HLM. Oui, on voulait pas. En fait, les décors parlent d'eux-mêmes. Elle est dans un quartier HLM, il est dans une belle maison, ils parlent d'eux-mêmes. Donc, on voulait pas, par la lumière ou par les couleurs ou quelque chose comme ça, tricher et dire le monde de Fifi, c'est sinistre, c'est dur. C'est... Les rapports, on les sent familiaux, on sent que voilà, il n'y a pas de vacances, le gamin, le petit frère, il fait n'importe quoi, il est désœuvré, il fait des bêtises, il se demande même s'il n'est pas un petit peu fou. Mais non, il est juste un gamin qui est désœuvré. Donc c'est par l'action que les choses arrivent,
qu'on voit les différences par les décors eux-mêmes, mais on ne voulait pas l'accentuer à la lumière. Il fallait, on a toujours eu l'ambition que le film tende vers... on voulait arracher Fifi à son univers un petit peu pour qu'elle vive quelque chose d'un peu magique avec ce garçon. Voilà. Et donc, la lumière, les couleurs, assez vives quand même, mais sans être non plus trop... Voilà. Tout était un ensemble de choses pour tendre vers ça. On voulait qu'elle vive un beau moment. Oui, on avait toujours le souci de trouver la bonne mesure entre le réalisme, parce que l'histoire est réaliste, mais quelque chose qui se décolle un petit peu de ça, puisque ce n'est pas la réalité qu'on filme, on filme un film. Je sais pas comment. Oui, c'est ça. On fuyait un petit peu quand même le réalisme pur et dur. Et d'un autre côté aussi, en réalité... On se sentait presque parfois plus dans la réalité que quelquefois on peut voir par exemple un film social où pour accentuer la dureté, on va créer comme ça des images un petit peu pas forcément très belles ou autres. Or, quand on n'a pas d'argent, on n'est pas obligé de vivre dans le gris ou le kaki. ça n'empêche pas une vie de famille un peu joyeuse quand même. Voilà. Bon, vous êtes à Saint-Sébastien maintenant, mais quel parcours vous avez prévu pour votre film là, à partir de maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Le meilleur possible. On ne sait pas encore quand le film sortira en France. On a déjà une distributrice, c'est New Story. Oui, premier semestre quand même de 2023. Oui, on ne sait pas précisément. Et d'ores et déjà, le film est sélectionné dans plusieurs festivals. Il doit passer à Namur, en Belgique, dans quelques... bientôt. Il y a pas mal de festivals qui arrivent aussi, Saint-Jean-de-Luz, La Roche-sur-Yon, Auch, voilà. Pour l'instant, c'est ceux qu'on connaît, il y en aura peut-être d'autres. Donc l'idée, c'est qu'il fasse déjà un peu sa vie en festival, qu'on le présente, voilà. Et en fonction de ça aussi, et de l'accueil qu'on sent, en tout cas, hier soir, il était vraiment très bon. Donc pourvu que ça dure. C'est pas un gros film avec des stars ou quoi, donc il a son petit parcours à faire d'abord en festival pour se faire aussi une place meilleure ensuite en salle. C'est dur en ce moment, on le sait. Voilà, bon, on verra. Eh ben, c'est très bien, on croise les doigts, mais on est sûr que ça va bien marcher. Ça serait logique. Et par rapport à, on va finir avec ça. Vous êtes en train de préparer d'autres projets ensemble encore, co-réalisation encore, co-écriture encore. Alors, co-écriture sûre. Faut pas avancer peut-être non. Le sujet ni rien. Si, si, on a des projets, en réalité plusieurs, dans des genres assez différents. Et co-écrire, on l'avait déjà fait avant, avant ce film-là. Ça fonctionne bien tous les deux à l'écriture. Voilà, à cause de cette complémentarité aussi. Voilà. Et on a envie, je crois, de continuer un petit peu. On ne se pose pas trop la question, en fait. Pour l'instant, on avance les projets, qu'ils existent complètement. On ne se dit pas, oui, sur le prochain, on le fait ensemble. On a l'envie, ça a bien fonctionné, il n'y a pas de raison. Voilà. Est-ce que tous nos films, on les fera ensemble? Ça, c'est trop loin. Mais en tout cas, on a bien aimé travailler ensemble et on a vu que voilà, ça donnait quelque chose d'intéressant, à deux mieux que tout seul pour l'instant. Voilà. Bon, ben voilà, on va finir comme ça. On vous remercie vraiment, bonne chance. Et puis, on va voir quelques images du film Fifi. Merci beaucoup. Merci. Ciao, Fifi. Faire des courses. Fais-moi un paquet de clopes, s'il te plaît. Il en manque ? T'en as pas, toi ? Non. Bah, je sais pas, démerde-toi, fais pas chier. Je voudrais 3 paquets de Philippe Maurice, 4 paquets de Ravana, 5 paquets de Camel et 8 paquets de... 8 de Gauloise rouge, ouais, 8. Il y a un gars de DF qui est là, il veut du fric, là, il va couper. Je lui ai donné tout ce que j'avais, mais t'en as pas un peu, toi? Il mange rien. Pourquoi t'écris pas pute directement sur ton front? Mais qu'est-ce que t'as, toi, pourquoi tu m'agresses? T'emballes. Oh, salut. En fait, j'étais pas sûre que ce soit toi. Qu'est-ce que tu fais?
Rien. On part en vacances, on s'en va là. Tu veux boire quelque chose, un verre de jus frais? Je vais peut-être manger chez une copine ce week-end. Laquelle? Jade, la fille du dentiste. Tu la vois encore? Bah ouais, je l'ai revue, on a discuté et puis elle m'a invitée. T'es qui toi? Tu veux récupérer ton lecteur, je suppose? Ouais, je l'ai oublié. C'est quoi tous ces cartons? Mon boulot pour cet été, histoire de m'occuper. En fait, je pourrais le faire moi aussi. De quoi? Mettre les trucs dans les enveloppes, là. Mais t'as besoin d'argent ou tu cherches un endroit où prendre des bains? J'ai trouvé un petit boulot. Je fais de la mise sous pli. C'est quoi cette histoire? Je suis jamais sortie de la France. Mais t'es sortie de Nancy quand même? Ouais, une fois je suis allée à Paris avec l'école. Tu veux dire que t'es jamais allée à la mer, par exemple? Bah non. Je ferais bien un truc, en fait. Comme quoi? Je sais pas. T'as qu'à décider. Tu vois, là, il y a une petite ligne, là, qui percute la ligne de vie. Ça, c'est signe de changement. T'es encore là? Bah oui, puisque t'es là. T'es où, toi, en ce moment? Bah, je suis là. Je me sens bien, là. Au milieu de la nuit. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé.